Il faut voir là, que c'était une bonne chose pour le Québec d'abord, premièrement. Parce que ça a permis d'avoir des bons gouvernements. Ça a permis d'avoir des gouvernements qui ont fait des progrès importants. Ça a permis la loi 101, ça a permis l'honneur agricole, ça a permis beaucoup de choses. On aurait pu le faire si on faisait l'indépendance, si on faisait le référendum dans la première année d'élection, il y avait une euphorie. Oui. Ça aurait passé. Après, on aurait pu, non? Non, parce que vous savez. Moi, je ne pense pas qu'on était prêts, parce que même après quatre ans de gouvernement du Parti québécois, quand on a fait le référendum en 1980, on a eu seulement 40%. Oui, mais là, il y avait moins de nécessité, la loi 101 avait passé, il y avait comme un calme de dire, bon, mais là, le feu, on a réussi. On peut donner toutes sortes de raisons, mais c'est pour dire que ça prend quand même un certain temps. Est-ce que vous y croyez encore, là? Moi, je crois que c'est nécessaire pour le Québec. Je crois que c'est absolument essentiel pour le Québec qu'il franchisse ce Rubicon, qu'il franchisse cet obstacle-là pour devenir complètement maître de son destin. Ça va changer l'esprit que dorénavant, ce qui nous arrive, c'est à cause de nous autres. Et puis, on va se retrouver, je pense, après ça, en ayant développé une société dont on va être content. Si vous regardez l'Irlande, ça leur a pris bien du temps avant d'atteindre le niveau où ils sont rendus. C'est ça. Ils n'ont même pas complété leur unification encore. Ça sent bien. L'Écosse. Est-ce que vous pensez qu'en plus du moment, c'est du Québec? Je ne connais pas assez de plus. C'est pour vous. Quand vous parlez de que ça prend un certain temps, oui, ça prend un certain temps, mais est-ce que je regardais le site de Jean-François Lisée qui expliquait que plus on attend, plus il y a une espèce de sous-représentation démographique, par exemple du Québec dans l'Est du Canada, et aussi dans les institutions, par exemple la Cour suprême, bon, etc., avec le nouveau système aussi de nomination là, qui a été mis de l'avant par Sylvain Harper, est-ce qu'on a vraiment une grande marge de manœuvre devant nous? En tout cas, moi, je dis, il faut aller aussi vite qu'on peut. Mais on ne peut pas aller aussi vite qu'on peut. Mais il faut attendre le prochain pic. Je pense qu'il faut y travailler. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, je pense que le Parti québécois n'y travaille pas. Personnellement, je pense qu'il n'y travaille pas. Il parle de toutes sortes d'autres choses, il s'organise toutes sortes d'autres choses, mais il ne parle pas de souveraineté, il ne s'organise pas. On n'en parle jamais parlé. On a souvent entendu les crises. Alors, c'est sûr que ça va aller moins vite si on n'en parle pas. Si on en parle, ça va aller plus vite. Pour la même raison, pensez-vous que le Bloc entorse sa raison d'être à Ottawa, ou est-ce qu'on ne rapatrie pas les meilleurs éléments, puis on dit on fait le Parti québécois? Moi, je pense que le Bloc peut faire la promotion de la souveraineté aussi. Ils ont toutes sortes de moyens. Les députés fédéraux, ils ont toutes sortes de moyens à leur disposition qui peuvent mettre à profit de ce côté-là. S'il y a un bon leadership de la part du Parti québécois, puis s'ils disent c'est ça qu'on fait, puis on se met ensemble avec le Bloc, on peut travailler avec le Bloc. Sauf que, en pratique, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'efforts de travailler ensemble entre le Bloc et le Parti québécois. Il y a beaucoup de rivalité entre les deux. Les gens, c'est comme s'ils disaient, ben oui, mais lui, il va essayer de prendre ma place. T'sais. Il vient d'Ottawa, puis si on fait de la souveraineté, il va vouloir prendre ma place. Fait que, il y a beaucoup de rivalité. La nature humaine, elle reste la même chose. Mais on ne peut pas dire que c'était un grand succès là, sur le terrain. En général, de travailler ensemble avec certains conflits que je connais, où les gens vraiment travaillent ensemble, c'est les mêmes, ça marche la main dans la main, mais c'est plus l'exception que la règle. Alors, il faut que la direction des deux parties fasse en sorte que les gens travaillent vraiment ensemble. Et ça peut être fait. Monsieur Bernard, moi, je me dis souvent, peut-être qu'on va prouver qu'on s'est fait voler le référendum en 95. Si on le prouve, on est indépendant? Non. Moi, je vais vous dire honnêtement, il ne faut pas gagner le référendum. Sur la peau des fesses. OK. Il ne faut pas gagner le référendum de très, très près. Il faut faire gagner le référendum quand ça sera bien clair que l'ensemble, une grande partie de la population de ce côté. C'est pas juste de gagner le référendum. Il faut réussir. Ah, c'est bien ça. C'est quoi le seuil que vous considérez comme acceptable? Je ne sais pas, mais je te dis juste que si c'est quelques centaines de points, là,
C'est quand c'est assez clair que c'est irréversible. Mm-hmm. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est que c'est? 55? Bon, 55, c'est sûr, mais je pense pas que ça a besoin d'être 55. Oui. Là où on a eu le plus gros, le plus fort pourcentage d'appui à l'indépendance, c'était en juin 90, ou l'après-midi. Oui. Avec la venue de l'ADQ, et puis l'autonomisme, et puis avec le fédéralisme d'ouverture, puis moi ça me fait penser un peu à 1984, à ces années-là, avec Brian Mulroney, puis Bourassa. Puis j'espère qu'on va avoir une entreprise un peu du même style que Meech, qui va flopper, hein, parce que le reste du Canada n'a pas d'ouverture, puis Stephen Harper va se le faire dire à un moment donné. À ce moment-là, qu'on réalise encore qu'il n'y a pas d'ouverture dans le reste du Canada pour nos besoins à nous, nos besoins d'autonomie, puis qu'à ce moment-là, bien, que la population réagisse comme en 90. C'est un scénario très plausible. C'est l'espoir que j'ai. La limitation du pouvoir fédéral de dépenser qui était dans les. Prenez cette question-là, c'est une question très importante. Et si quelqu'un était capable d'amener. Une proposition de Harper là-dessus, ça serait un nouveau Meech. Et puis, je suis pas sûr que ça passerait dans le reste. On a Bourassa 2, là, à Québec. Les médias, M. Bernard. Oui. Les médias. Oui. Au niveau du peuple québécois, là, une source d'information qui s'en va d'un côté, là, comme il y en a d'autres qui vont de l'autre côté. C'est important, c'est là, les médias, ils sont absolument partiaux. Moi, partiaux, je ne sais pas, mais ils sont intéressés. Il n'y a pas une question qui intéresse les médias autant que la souveraineté. Alors, si vous vous mettez à parler de souveraineté, c'est sûr que les médias vont en parler. Surtout la presse. Mais de quelle façon vont-ils en parler? Ça n'a pas d'importance. Ben, c'est la chasse aux sorcières. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Ça n'a pas une si grande importance que ça, je peux vous dire. C'est que vous aviez, par exemple, toute la presse contre l'ADQ. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Puis vous avez vu le résultat. Comment rajeunit le. Parce que les gens qui ont voté pour l'ADQ, ils se disent que la souveraineté, tout ça, c'est des vieux discours. Comment on fait pour le rajeunir? Est-ce que vous avez une idée? La protestation, la pas que c'est rajeunir un discours, c'est justement le rendre un discours plus jeune. Parce que ce sont les jeunes qui n'ont pas voté, je pense, à un moment donné. Comment le faire? Ah non, d'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui votent pour ça. Mais c'est l'éducation. C'est pas assez clair. C'est l'organisation politique. C'est l'organisation politique. L'organisation politique, vous savez, ça se fait sur le terrain. Ça se fait comté par comté, ça se fait pôle par pôle. Dans le cas des étudiants, ça se fait institution par institution. Alors, vous mettez sur pied un comité de jeunes dans le cégep un tel, puis ça devient le comité du Parti québécois, puis vous l'approuvez, vous lancez vous organisez, faites une visite de député, puis vous parlez, etc. C'est de l'organisation, c'est de la propagande politique. C'est du travail de terrain. Malheureusement, on le fait pas. Moi, tantôt, je disais, c'est la première fois. On a peur de le faire. On l'a déjà fait, par exemple. Oui, en vous entendant, tantôt, je disais, Aline, j'ai l'impression que ça fait des années, du temps de René Lévesque, j'ai pas entendu quelqu'un parler de souveraineté. C'est vrai, on n'en parle jamais. On dirait que le PQ, dans le fond, ils disent, on va attendre qu'un monde va être prêt, tu sais, comme ça va arriver comme ça, sans faire la promotion. Ouais. Mais dans ce cas-là, on n'est pas mieux de souhaiter que justement qu'il y ait une vision du PQ pour que vraiment on puisse s'en aider. Moi, je pense que le Parti québécois, il a accepté là, de faire un réexamen de son positionnement. Je pense que M. Boisclair l'a dit, puis la plupart, beaucoup de gens que j'ai entendus qui l'ont réclamé, donc probablement que ça va se faire. Et le débat, ça va être de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on met la souveraineté en value ou est-ce qu'on met le programme de gouvernement en value? Ça va être ça le grand débat. Il va se faire ce débat. Si, par exemple, c'est justement de mettre, parce que là, c'est la tendance, les gens ne veulent pas tellement de référendum, donc on va y aller plus mou, donc on va évacuer un peu plus la souveraineté à ce moment-là, on se retrouve devant quoi? Mais on se retrouve au moins vers une clarification des choses.
Au moins, les gens vont savoir que le Parti québécois ne fait pas la promotion de la souveraineté. Parce que là, actuellement, les souverainistes sont sous l'impression que le Parti québécois le fait. Okay. Alors qu'il ne le fait pas. Mm. Bon, au moins, ça sera clair que le Parti québécois ne fait pas la promotion de la souveraineté. Par contre, évidemment, il va falloir continuer à en parler comme il en parle à l'heure actuelle, mais il ne fait pas vraiment la promotion de la souveraineté. Bon, alors est-ce que à ce moment-là, quelqu'un d'autre va pouvoir le faire? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, ça va clarifier cette position-là. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est que le problème est là, mais personne ne le voit. C'est peut-être ça à cause de l'effet, d'ailleurs. Moi, personnellement, je pense que ça explique beaucoup. Il a perdu ses expériences. Parce que ce qui est arrivé, c'est que lors du dernier congrès, il y a deux tendances. Il y a deux groupes qui dominent les instances du Parti québécois. Un groupe, c'est le groupe de gauche, qui met l'accent sur la social-démocratie assez prononcée, pas extrémiste, mais quand même. Et puis, vous avez le groupe des souverainistes, des indépendantistes, qu'on appelle les purs et durs, qui veulent faire le référendum tout de suite et déclarer unilatéralement l'indépendance. Et ça fait du tort. Alors, ces deux groupes-là, au Congrès, ils ont fait un compromis ensemble. Ils ont dit, on va mettre le programme, on va tourner le programme un peu plus vers la gauche. Et puis, par ailleurs, on va avoir une promesse de faire un référendum le plus tôt possible dans le monde. Alors, sur cette base-là, les gens disent, OK, on s'entend. Chacun avait un peu ce qu'il voulait. Et puis, on s'est retrouvé avec la plateforme, qui, à mon sens, est mal positionnée. Parce que, il y a beaucoup de gens qui sont souverainistes, mais qui ne sont pas de tendance social-démocrate. Ou en tout cas, qui ne sont pas prêts à aller aussi loin que ça. Puis, etc. Donc, ils ont des hésitations à voter pour le Parti québécois. Puis, là, ils avaient des souverainistes aussi qui ont peur de perdre le troisième référendum. Alors, ils disent qu'il ne faut pas y aller trop vite, il ne faut pas s'engager comme ça, etc. Donc, alors, ça fait deux. Parmi les gens qui devraient normalement voter pour toi, ça fait deux groupes qui ont des réticences. Puis en plus, je pense qu'il y a eu le problème que M. Boisclair, même s'il a fait une très bonne campagne, il est parti avec au moins une prise contre lui, parce qu'il n'a pas réussi vraiment à connecter avec la population aussi bien que l'autre. Mais il pense trop dur. Alors, ces trois facteurs-là ensemble ont fait que le vote n'a pas été très bon. Mais il faut voir que le vote avait commencé à diminuer. Ça fait plusieurs élections que le vote diminue. Parce que le positionnement du Parti québécois, à mon sens, il n'est pas correct. Il faut vraiment qu'on se branle d'un sens ou d'un autre. Pour aller chercher, si tu fais un parti souverainiste, bien, au moins tu as des chances d'aller chercher ceux qui sont souverainistes. Qu'ils soient de gauche, de droite, de solidaire, etc. Ils vont dire, OK, on va voter pour le Parti québécois comme souverainistes. Ils vont faire passer la fibre souverainiste avant les autres. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas cet avantage-là, de sorte qu'on ne va même pas chercher notre électorat naturel. Et le SPQ libre, est-ce que ça. C'est pas un obstacle c'est dans ce sens-là que vous dites, le SPQ libre, finalement, ça, c'est très influent au Parti québécois, mm-hmm. Ça contrôle plusieurs instances, et puis ça met l'accent d'abord sur le programme de gouvernement, puis ça le pousse à gauche. C'est ça. Et on le voit, le résultat n'est pas intéressant. Mais M. Bernard, il me semble que je reviens avec mon idée de projet de société, parce qu'on pourrait avoir un parti qui veut l'indépendance pour que ce soit un parti de droite, un parti qui veut faire l'indépendance pour avoir une nation fermée, puis et on peut aussi avoir un projet d'indépendance qui est ouvert sur l'étranger, qui des familles politiques, des familles philosophiques dans tout ça, qu'on ne peut pas nier. Oui, mais la première chose, c'est de faire l'indépendance. Je veux dire, ça ne serait pas utile. Vous pouvez dire, mais après l'indépendance, on aura un parti, puis un Québec plus renfermé ou un Québec plus. Parce qu'il va faut commencer par faire le Québec souverain. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on devrait être capable de s'entendre. Dans une première étape, on se met tout le monde ensemble, on fait le pays. Après ça, on l'appelle. Un commentaire que j'ai lu souvent, parce que moi j'ai été plusieurs années dans l'exécutif de leur quartier. Donc, j'ai eu souvent à aller faire la félicitation, puis aller recueillir des 5 $ qui
tout cela. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, ça, la souveraineté, ah, ça, c'est le projet du PQ, c'est le projet du PQ. Je me suis toujours posé la question, si la souveraineté, comment est-ce qu'on peut faire que la souveraineté devienne un projet de la population et qu'à ce moment-là, la population fasse pression sur les partis politiques pour que les partis politiques n'aient pas le choix, mais de suivre le mouvement. Ben, je me posais la question, par exemple, bon, la Société générale, ben, c'est le Conseil de la souveraineté. On a vu dans certains pays, c'était les syndicats qui ont initié les mouvements. C'est arrivé en 91. Les libéraux, à un moment donné, ils se dirigeaient timidement vers un référendum de société. Ouais, non, ils l'ont pas fait. Je veux dire, c'est certain que si tu avais une organisation vraiment solide, qui ne serait pas un parti politique, mais un mouvement quelconque. Comme le Conseil de la souveraineté, par exemple. Comme le Conseil de la souveraineté, si c'était vraiment un organisme bien implanté partout dans des comtés, capable de faire de l'action politique, etc., ben, on pourrait dire, on n'a pas besoin du Parti québécois. Sauf que dans notre système, l'instrument de choix pour faire ça, ce qu'on a inventé comme instrument apte à faire ce genre de travail, c'est les partis politiques. Et vous avez des partis politiques comme le Parti vert, par exemple, c'est exactement ça. C'est un mouvement. Ils proposent une idée. C'est pas un programme de gouvernement, le Parti vert pour le moment, en tout cas. C'est plus une idée. Et ils sont mis en parti politique. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de faire avancer ces idées. Alors vous suggéreriez que le Parti québécois se concentre sur l'idée de la souveraineté en laissant, mettons, le territoire politique entre le Parti libéral et la DQ pendant quelques années, puis... Oui. Moi, je pense qu'on devrait parler uniquement de souveraineté, comment ça va se faire, qu'est-ce qui va arriver, etc. Mais on devrait abolir tous les chapitres du programme du Parti québécois, on devrait les abolir, garder juste... Mais on va se faire demander des chiffres, on va se faire demander des échéances. Oui, sur la souveraineté. Sur la souveraineté, il faut être prêt à répondre. Quand on parle juste de gouvernement, s'ils nous demandent des chiffres sur le référendum, c'est quand? Il faut être capable de dire quelles sont nos ressources, comment est-ce qu'on va faire pour donner des services, qu'est-ce qui va arriver avec la balance extérieure. Monsieur Bernard? 9h20, on va terminer l'entretien, mais j'aimerais juste vous demander, en terminant, si la chefferie du Parti québécois, c'est quelque chose qui vous intéresse encore? Non. Si... Ah non? Non, je pense que... Écoute, ça fait déjà 2 ans que j'ai fait la campagne. Mm-hmm. Fait que maintenant, si Boisclair ne veut pas prendre la responsabilité, c'est qui le chef du mouvement indépendantiste? Commençons par faire le débat. Faire un post-mortem? Je suis prêt à faire le débat. Non, je suis prêt à faire le débat sur le réalignement. Il y a des gens quand même, des nouveaux visages qui ont l'air assez convaincus. Merci. Tu penses à qui? Drainville. Parce que c'est ça. Ça prend de la poésie aussi là-dedans. Bon, ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant, comme toujours. Comme toujours. Merci d'être venu dans Schlaga. Je parle de ta grotte.